Tu m'as. T'as le pouvoir amélioré, toi? Oh, crie pas là, oh! On t'entend, t'inquiète, hein! Ah, dégueulé, toi! Pardon? T'es qui ah, pour parler comme ça, toi là? Ce que je veux, t'as ta gueule! Pardon? Eh, c'est qui ce gars là, là? Ferme ta gueule! C'est beau, toi! Mais attends, attends, c'est qui ce gars là? C'est l'ami de qui? C'est un ami, mais je l'expulse après. Ok. On me manque pas de respect! D'accord? Ferme la foutre ta gueule, t'as compris? Ferme ta gueule! Gars, là. Tu te prends pour qui, toi? Bah, toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui, toi, pour parler comme ça? T'es qui, toi? Calme-toi, t'es un youtubeur! Je suis même pas youtubeur! Je suis un mec comme toi! Calme-toi! Bah, je t'explique ça après, de toute façon. Eh, quoi, tu fais ou quoi? T'as peur ou quoi? J'ai pas peur de toi? J'ai pas peur de toi? T'as quel âge? J'ai le double de toi! Rien du tout, frère! Ferme ta gueule alors, je veux pas t'entendre! Pauvre mec! Attends, bah, c'est toi le pauvre mec! C'est juste un Fortnite! Tu montes la voix comme ça là! Et alors? Tu t'entends pas assez ou quoi? Baisse le son de ton micro! Oh là là! Oh, t'as quel âge? Ouais, t'as raison, il fait trop le malin, Fabrice. C'est vous, quoi, Fabrice, quoi? Ferme ta gueule, toi, je te dis. Et toi aussi. Je suis en live. C'est qui tes potes, toi, là? C'est qui tes potes, là? Fabrice. T'as quel âge, putain? Je veux pas t'entendre, toi. Pourquoi t'invites tes mecs, là? C'est qui, ça? Putain. Il m'a réveillé d'un coup, gars. Attends, attends, tu verras, fais-moi confiance. Ouais, fais quoi, confiance, quoi? Il fait de la merde, t'es... Il connaît pas, il connaît pas. T'as quel âge? Hein? Toi arrête de parler toi, t'es qui toi, Il est pas plus âgé que moi, je le dis tout de suite. Tu lui donnes 20, 22 ans. Ah ouais, t'as quel âge toi, vas-y? Laisse-moi rire. Plus vieux que toi. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Attends ta gueule. Bah déjà, si t'es un adulte déjà, tu manques de respect. Mais c'est toi qui m'as manqué de respect en premier déjà. Bah non, tu montes la voix, tu montes la voix. T'as vu, c'est toi qui gueule. Et c'est moi qui monte la voix. Non, t'es arrivé, t'as crié. Toi t'insultes, c'est pire. Tu transpires, ta voix tremble, c'est bizarre ça. T'as la pression. T'insultes les gens, frère. T'as la pression de toi. Je t'écrase, mon frère. Ferme ta gueule. Il me connaît pas. Il sait pas qu'il est en live. Tout est enregistré. Ah, mais il me connaît pas. Non, vu la voix, il a pas 15 ans. Je lui donne 22 ans. Arrête de parler comme ça, toi. Ta gueule, toi. Ferme ta gueule, sale connard, quoi. J'ai 28 ans, je suis niqué ta race. Ah bah, j'ai le même âge que toi. Alors, ferme ta gueule. Ta gueule à toi. Ferme ta gueule. Va te coucher, toi. Je t'écrase ta mère. T'as compris? Je t'enculé ta mère. Grosse pute, va. Toi aussi. Ferme ta gueule aussi. Ferme ta gueule. Moi aussi, je vais te démonter. Tu sais même pas où je vis en plus. Tu sais même pas jouer, mon frère. C'est toi qui sais pas jouer. Gogol, je t'écoute même pas, frère. T'as même pas d'argument. Frère. C'est toi, toi qui a pas d'argument. Tu dis ferme ta gueule, t'as même pas de parole. T'as rien. Ouais. Tu vas voir en face de toi. Je te jure, je vais te ta face. Alors, après, tu vas m'en rigoler. Bah, tape Galar Gaming, tu vas voir ma face. Ouais. Tape sur YouTube, tu vas voir ma belle gueule. Je suis quand même pas avec toi, vieux. T'es un vieux mec. Merci, grâce à toi, ça, tu vas me faire des vues. Pareil, c'est ce que je me suis dit. Ouais, tu vas me faire des vues. Le mec, il a le même âge que moi, il me parle comme ça. Eh bah. Je t'encule, mec. Et alors? Déjà, je suis pas pédé. Non, mais bon. Voilà, donc parle bien. Tu l'as pris comme tu veux, hein. Jamais... Ouais, frère. Attends, t'es... Antoine, c'est ton ami à toi? Ouais, c'est mon ami à moi. Ok, d'accord. Antoine, pourquoi tu le défends, le mec, là? Pourquoi il me cherche des ennuis, là? Parce qu'il me connaît bien. C'est pour ça. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Ah, mais c'est ton harceleur. C'est ton harceleur. Ouais, ouais. Je t'ai insulté. Tu harcèles les gens de un petit comme ça, là? T'es fou, toi?
Putain, faut les punir les gens comme toi. Les gens comme toi là, tu l'harcèles. En plus il est handicapé en plus. T'es un gros bâtard toi. Tu te traites pas con. Pourquoi tu rigoles en fait? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que vous êtes des bandes de fils de pute. Oh là là. Ouais mec. Moi franchement je le laisse, ils ont l'avant de. Non mais t'inquiète pas, ta gueule, après c'est le game là. Eh tu sais quoi? Eh attends, mais vous êtes des bandes de gogoles ou quoi? Vous êtes des bouffons mec. Eh frère, et toi, et le mec qui m'a invité là, j'ai ton cul et ta race, j'ai venu venger toi-même si t'es handicapé, t'as compris? Il peut plus. Et toi tu vas voir toi. Je vais vous enculer tous. T'as compris? Eh dis-moi où t'habites. Dis-moi où t'habites, je vais t'enculer ta mère. Fils de pute toi. Dis quoi, d'où je t'ai dit ça quoi? Va me faire des vues. Ah là 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 là. Vous êtes des fils de pute. Allez, je vous nique votre merde. Hein. Allez me faire plaisir. Viens, je t'attends. Il me connaît pas. Ah bah il est parti, tu vois. Regarde, il est parti. Il est parti. Ah là 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 là. Hey, demain ça va faire le buzz ça. Ah, donc sérieusement, ouais, Antoine, sérieusement, c'est ton harceleur. Why? Mais il est loin. Celui au collège. C'est un collégien, lui? Non, c'est un collégien. Mais en fait, genre, il m'a... Attends, deux secondes. Attends, il a mon âge. T'es sûr? Je sais pas s'il attend. Bah, il a 28 ans comme moi. Donc ça veut dire, il a mon âge. Il parle comme ça aux gens. Ouais. Mais t'es un cinglé ce mec là. Où tu l'as rencontré? Avec Fillon on jouait. Et à un moment on l'a fait en comblé. Et donc il était en comblé. Putain, il y a des gens malades dans ce monde, vous avez vu ça? Au début je me suis dit, il a changé, c'est pas possible d'être comme ça. J'ai aucune chance. Moi franchement j'ai le signal. Ouais, bonne idée, on va le signaler tiens. Pour un fils de harcèle. Non respect, signaler, attends deux secondes. Attends. Signaler, insulte. Voilà. Voilà. Propos incohérents. Voilà. Ça y est les amis, j'ai signalé. Désolé le live, hein. Franchement, je l'ai pas cherché, c'est juste il a monté la voix comme ça, je dis oh baisse ton micro. Et le gars il a monté, il m'a insulté. Non mais le live, c'est ça je vous dis tout de suite. Ça n'a pas été prévu du tout, je vous le dis direct. Le mec il a le même âge, il se comporte comme ça avec moi. Mais il est fou. C'est un fou ce mec là. Franchement Antoine, c'est ton harceleur? Enfin il m'a harcelé pas au collège parce qu'il est pas avec moi au collège. Mais pendant 3-4 games il faisait ça quoi. Attends, il est venu devant ton collège ce gars là? Non, je ne connais pas dans la vraie vie. Mais en tout cas je peux dire qu'il parle tout le temps mal et ainsi de suite. Et il a vraiment 28 ans? Ah ça je sais pas. Bon, ben là, vu la voix c'est un adulte. Déjà, je peux te dire c'est un adulte, il a à peu près mon âge. Ouais. C'est un jeune adulte. C'est un jeune adulte, je te le dis tout de suite. 28 ans, je lui en dirais donner 26, tu vois. Mais pour parler comme ça, là, le gars, il augmente la voix, t'as vu, il a flippé, il a directement arrêté de jouer, tu vois. Ouais. Donc ouais, mais des gens comme ça, il faut faire attention, hein. Ça, c'est des gens... Fais attention, Antoine, hein. Moi, je te le dis, des gens comme ça...
C'est des malades, c'est des malades. Il y a des malades sur internet, ça vous le saviez tous. Il y a des fous, il y a des gens bizarres. Regardez bien, j'ai même. C'est moi je signale jamais, je l'ai signalé. Pour propos incohérents. Parce que je le trouvais, il était fou. Moi j'ai pas peur des gens comme ça. Moi je tiens tête à ces gens-là. Il faut pas leur montrer que t'es faible. Sinon c'est des gens comme ça qui vont t'écraser dans la vie. Là le mec, t'as vu, quand il parlait, il tremblait. Je le sentais. Je le sentais, sa voix, il tremblait. Parce qu'il a pas, l'habitude de la pression. Il a pas l'habitude que quelqu'un lui tient tête. C'est pour ça qu'il est parti. Ouais, non mais c'est vrai le live, je vous le dis. Je vous le dis. Des gens comme ça, des gens qui tiennent tête, c'est des gens qui... Des gens comme ça, il faut leur tenir tête. Il faut leur montrer que t'as pas peur. Vous avez vu, je n'ai pas eu peur, il est parti. Parce qu'il avait trop de pression, son sang, on va dire son sang se chauffait, il brûlait là, tu vois, il bouillonnait quoi, tu vois. Bon, j'en fais une dernière parce que, on va dire, cette game là était cassée, on va dire. Voilà, je suis désolé, on va faire une dernière. Le mec, il m'a réveillé. J'étais un peu fatigué, je baillais et là, il m'a réveillé. Je te jure. Les gars, j'arrive pas à mettre prêt, je reviens. Ouais, quitte et reviens. C'est un petit bug ça. Oh là là, mon dieu.